Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer un gâteau chocolat banane. Un gâteau qui est délicieux, simple à préparer. J'espère que vous aimerez la recette et je vous laisse avec les ingrédients. Donc pour notre gâteau, il va nous falloir 150 g de farine, 2 gros œufs, un peu d'amandes effilées, un peu de raisin sec, 80 g de chocolat que l'on coupe en petits morceaux, 2 sachets de levure chimique de 7 g chacun, 2 sachets de cacao, 80 ml d'huile de tournesol, 80 g de sucre, 100 ml de café légèrement sucré et 4 ou 5 bananes. Donc dans un saladier, nous allons battre nos œufs avec nos 80 g de sucre jusqu'à blanchissement du mélange. Puis nous allons rajouter notre huile et notre café. Par la suite, nous rajoutons nos 2 sachets de cacao, nos 2 sachets de levure et nos 150 g de farine tamissée, bien sûr. Voilà, notre pâte à gâteau est prête. Elle doit être en ruban comme ceci. Nous allons la verser dans un moule Pyrex que l'on a préalablement huilé. Nous disposons nos tranches de banane tout autour de notre moule. Voilà. Puis nous allons décorer avec des petits morceaux de chocolat, un petit peu de raisin sec, un petit peu d'amandes effilées et nous enfournons à 180 degrés, chaleur tournante. Dès que notre gâteau est bien doré, nous le sortons du four, le laissons refroidir pour avoir un petit peu de brillant. J'ai mis un petit peu de nappage dessus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du miel. Je vous dis à une prochaine recette. N'oubliez pas de liker et de partager pour m'encourager. À bientôt.